Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, ce lundi soir avec Laure Girard, notre rédactrice en chef pour nous accompagner. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Et avec Jean-Claude Raison. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Aurélien, bonsoir Laure. Coach sportif au sein de LMA 72, Le Mans Athlétisme 72. Ce soir, ensemble, chers amis, Laure, on va préparer le 10 km du cross international Main Libre à Lonne. Sarthe, c'est comme ça qu'on dit, la prochaine édition. Vous le voyez à l'image, ça sera le 20 novembre prochain, car oui, le cross Main Libre, ça se prépare. Et surtout, le 10 km, c'est ce dont on va parler ce soir, car on peut facilement rater son 10 km. C'est ce que tu m'as dit en préparant cette émission. Complètement. Il y a des conseils, il y a 8 conseils, et ceux qui vont tenir ces 8 conseils, ils vont battre le record. Voilà, je vais prendre des notes. On va y arriver, évidemment. Laure est prête à écrire. Petit rappel, évidemment, comment ça se passe ce 10 km Main Libre? Tout le monde peut y participer? Alors, c'est accessible à tout le monde. Alors, c'est le 19 novembre, avec le départ à 13h. Très bien, donc c'est pas le 20, mais le 19 voilà. novembre, pour la petite précision. On y va pour les 8 conseils. Laure, vous notez, premier conseil, se reposer suffisamment avant la course. Oui. Il faut se reposer parce que ça peut être paradoxal, mais les plans d'entraînement pour un 10 km, c'est environ 4 semaines. La dernière semaine, c'est une semaine de relâchement. Donc, je dirais que du mercredi, voire le jeudi soir, où là, on va faire un footing avec des accélérations, eh bien, après, c'est repos. Jeudi, vendredi, samedi. Et la course à midi, bien sûr. De ces images, c'est moi qui les ai réalisées. Images, évidemment, parce qu'on couvre régulièrement ce cross qui a une réputation régionale, même nationale et internationale. Hein. Internationale aussi, oui, tout à fait. Deuxième conseil, alors si on s'entraîne quand même d'ici le 19 novembre, Jean-Claude. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, le deuxième conseil, c'est de connaître précisément son allure. Ah. Alors, c'est difficile quand on n'est pas en club, parce qu'en club, il y a des tests qui ont lieu et tout, et qui vont déterminer l'allure. Eh bien là, il va falloir aller chercher son allure spécifique. Comment on peut savoir ça? Eh bien, faut courir, faut renouveler l'expérience et voir à quelle allure on est le mieux pour courir ce 10 km. Ça veut dire qu'à chaque fois, on fait 10 km et on voit la vitesse à laquelle on est le... Pas besoin de faire 10 km. Ah bon. Ouais. Hein, par tranche de 3, 4 minutes, on se met sur une allure. Si on est capable de tenir 4 minutes, eh bien, on sera capable de tenir un peu plus et puis de le répéter. Et c'est comme ça qu'on va connaître son allure spécifique. Ah oui. D'accord pour ce deuxième conseil. Troisième conseil. Ne pas négliger l'échauffement. Oh, surtout pas. Ah, surtout pas. C'est parce vrai qu'on que... est beaucoup à essayer un peu, on veut ouais. partir un peu bille en tête et c'est pas bon ça. Non, c'est pas bon. D'autant que c'est un effort brutal, un 10 km. Donc, si on arrive sur la ligne de départ et qu'on n'est pas échauffé, on va le payer cash. Mmh. Donc, 20 minutes. 20 à 25 minutes d'échauffement avec des petites accélérations avant d'aller sur la ligne de départ. Donc il faut déjà un petit peu courir avant même la course, quoi. Oui. C'est ce que vous dites. Complètement. Okay. Voilà pour notre troisième conseil. Quatrième, le départ du 10 km est le moment clé à gérer. Donc tout se joue, ou quasiment tout se joue au départ. Oui, parce qu'il y a l'adrénaline qui est montée, elle est là, elle est bien ouais, présente. Oui. Il y a l'ambiance, oui. Il y a des commentateurs speakers également qui sont là pour mettre un petit peu la pression. Donc, il faut relâcher tout ça, il faut arriver sur la ligne de départ comme si on allait marcher, quoi. Mm-hmm. En gros, c'est cela, quoi. C'est il ne faut pas se mettre la pression. OK, il ne faut pas essayer de dépasser les autres, mais courir avec les autres au il départ. Il ne faut pas dépasser les autres. Bon. Et surtout parce que 5 à 10 secondes au kilomètre en plus, ça peut nous faire arriver dans le rouge très rapidement. Vous l'avez noté, Laure ? Ouais, non, mais de toute façon, je retiens tout, là. Hein. Cinquième conseil, bien courir un 10 km, c'est être en contrôle jusqu'au cinquième kilomètre. Voilà. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que... Laure fait des petits yeux, ça veut dire qu'elle a pas tout compris. Je réfléchis, là. Ça veut dire qu'avant le départ, on sait à peu près à quelle allure on va aller. D'accord. Okay. Et donc, l'allure qu'on va déterminer avant le départ, mm-hmm. eh bien, il va falloir bien la maintenir pendant les 5 premiers kilomètres. D'accord. Il ne va pas falloir aller plus vite, mm-hmm. même si... Parce qu'on a envie un peu, hein. Voilà. C'est ça. On Parce veut aller au bout de ses forces, de ce qu'on a, mais non, justement, ouais. faut maîtriser l'exercice. Il faut maîtriser son allure durant les 5 premiers kilomètres. D'accord. Et selon le sixième conseil, c'est du cinquième, de la cinquième à la huitième, donc du cinquième au huitième kilomètre, pardon, que tout va se jouer. Oui, parce que là, les jambes vont commencer à devenir lourdes, le moral, pas dans les chaussettes, mais pas loin. Donc là, c'est le mental qui va jouer. C'est le mental qui va jouer. Ouais, ouais. C'est le mental et celui qui
a du mental, il y arrivera, il n'y a pas de souci. Et après le huitième, le plus dur est fait, on peut se lâcher. C'est le septième conseil. Alors, le septième conseil, oui, tout à fait, on peut se lâcher parce que quand on arrive au huitième kilomètre, là, le mental, ça y est, on commence On se dit, que le plus dur est fait, là, quand le même. Le plus dur est fait. Non, c'est ça qu'on se dit, en fait. Hein. Et puis, on est tout proche de l'arrivée. Voilà, ouais. Et puis, j'imagine qu'il y a les endorphines qui doivent commencer à nous rendre un petit peu euphoriques, oui, peut-être. Oui, hein. oui, complètement. Tout ça, ça joue beaucoup, beaucoup plus qu'on ne pense. Et puis, le dernier conseil, on donne tout l'or dans la dernière ligne droite. On y va à fond les ballons. Comme dans les films. Oui. Bah oui, parce mais voilà, imaginez-vous dans un film, un film américain, là, où vous allez retrouver votre bien-aimé. Ben oui, parce que là, vous avez les spectateurs qui vous encouragent. Vous avez votre prénom qui est cité par les copains, les copines et autres. Et donc là, on donne tout, on sprint pour aller à l'arrivée. Et on finit par ta citation, évidemment, habituelle dans ce rendez-vous sport. Se reposer, c'est aussi s'entraîner. Faut pas l'oublier, ça. Bon. Et ça, je dis à chaque coureur, ça devrait être noté sur le mur, dans la chambre. Donc on se repose juste avant et puis un peu après aussi. Oui. Et puis on s'entraîne régulièrement. Oui. Quelle fréquence d'entraînement? Parce qu'en plus là, on est fin octobre, novembre. Semaines, comment on s'entraîne? Pour un 10 km, je dirais 2 séances par semaine, c'est suffisant. On ne fera pas un temps extraordinaire. Mais en tout cas, on ira jusqu'au bout. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup Jean-Claude pour tous ces conseils. Et puis on suivra évidemment de près ce cross international du Maine Libre qu'on suit comme chaque année. Absolument. Vous le ferez peut-être avec la rédaction, Laure? Pourquoi pas? À suivre, on verra ça d'ici à quelques semaines. Il y en a à la rédac qui préfèrent marcher, j'avoue. Allez, en point dans ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Dimanche à 18h30, LMTV Sarthe vous invite à découvrir deux documentaires signés par Jean-Loup Martin, réalisateur qui fait vivre depuis plus de 20 ans la bande dessinée à travers des documentaires qui nous plongent au cœur de la création et de ses auteurs. Au programme de ce dimanche, chers amis, les portraits de deux dessinateurs, Arthur Depin, dessinateur et auteur de bande dessinée, notamment Péché Mignon et Zombilennium. Je ne sais pas si vous connaissez... Le Samuel Chauveau de la librairie Bulle en a beaucoup parlé à la rentrée. Il paraît que c'est Zombilennium, c'est formidable culte, et ça cartonne. Voilà. Et puis l'autre dessinateur, c'est Patrick Sobral, auteur de la bande dessinée française connue pour sa série de Height Fantasy, les légendaires. Alors je ne connais pas du tout, je ne maîtrise pas. Alors ça, c'est un truc que mes enfants maîtrisent. Moi, pas du tout, mais je les ai vus regarder ce type de BD, oui. Voilà, donc c'est à découvrir dimanche à partir de 18h30. Toujours regarder ce que consomment ses enfants, c'est important d'être dans le coup. Donc dimanche à 18h30. Et puis nouveauté, alors sur LMTV, vous pourrez découvrir après le journal en toute image de 18h30 la semaine prochaine, la série À votre service, une série humoristique française créée et réalisée par Florian Essick, qui met en scène les aventures et surtout, vous le verrez, les mésaventures d'un jeune chauffeur de VTC, Paul Bouture, qui va accueillir dans son véhicule de nombreuses personnalités. Petit extrait, petit teaser de ce qui vous attend. Alors le rétro, là. Parfait. Le volant. C'est bon. Les airbags, c'est nickel. Et bah tout est bon. On peut savoir ce que tu fais exactement? Les dernières vérifs, je te signale que je débute demain dans le VTC, alors si je veux que mes clients soient contents, j'ai plutôt intérêt à être clean. Pour tes hypothétiques clients, ça me paraît super, au top, mais pour l'homme de loi que je suis, il manque encore quelque chose. Bah quoi? Ah! La ceinture! Ah oui. Je suis dit, on est encore à l'arrêt, hein? Oui, mais tu vas pas tarder à démarrer, il faut toujours la mettre avant. Pas fou. Bah oui, mais il manque encore quelque chose. Je comprends pas, attends, non, j'ai... Non, j'ai tout, j'ai l'assurance, certificat, tout est bon. Le permis, tu l'as depuis quand? À votre service à découvrir donc lundi prochain à partir de 18h45. Merci beaucoup Jean-Claude d'être venu sur le plateau. Merci Aurélien. Merci Laure. On va s'entraîner? Ouais, c'est parti. Ah, allez, c'est parti. Dans un instant, 72 Sports, nous on se donne rendez-vous demain évidemment après le journal en toute image pour au quotidien la suite à 18h45. À demain.